Yo les potes, c'est ce qu'on se trouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que vous l'avez attendue celle-là, donc on va la regarder. Juste avant de commencer la vidéo des 2 1v1 manettes pour le world record, j'aimerais savoir, Trizic, si tu vois cette vidéo, est-ce que c'est celle-là, la nouvelle vidéo que j'ai pas vue, où t'as le record, ou c'est une autre? Parce que celle-là date d'il y a une semaine, donc une semaine c'est assez il y a longtemps. Donc je sais pas si je l'ai vue ou pas, etc. Donc voilà, n'hésite pas à me le dire, mais en tout cas je pense qu'il a le record. Et donc on va regarder les 2 World Record manettes. Celui-là a l'air un peu plus long. Donc je pense que lui a le record. En tout cas c'est parti, on va regarder tout de suite. Let's go. Ça prend son temps, ok. Ok. En attendant, pas de faute. Ok. Si les gars, vous pensez faire mieux que lui, si vous pensez être plus fort en edit sur manette, n'hésitez pas à essayer de le battre pour faire un meilleur record et à publier la map, enfin à publier sur le NCQ Tournament. Donc voilà. Après, on va voir le deuxième pour voir c'est qui a le record entre les deux. Et sur clavier-souris aussi, si vous êtes très fort, n'hésitez pas à essayer. La map est très courte et assez cool. Donc voilà. Vous pouvez la faire en 1 minute 30, 2 minutes. Ok. En attendant, il n'y a pas de faute. C'est juste un petit peu long. Je sais pas pourquoi ils font des fenêtres. De base, quand je présente la map edit, j'ai pas dit qu'il fallait faire des fenêtres. Vous avez le droit, mais c'est pas ce qu'il fallait faire. Ok. Oh, il a tiré dans le cou là. Il a eu de la chance. Qu'est-ce que c'est touché à la tête. Oh, il galère. Ok. Ok, nice. Au moins, il y a eu zéro faute. Qu'est-ce qu'il fait? Au moins, il y a eu zéro faute, alors que les gens, c'est l'épreuve où ils font le plus de fautes sur l'edit pour tuer les bots. Donc là, il y a eu zéro faute. Hop. Ok. Là, attention, parce que cette épreuve... Ouais. Ils s'en mêlent les pinceaux. Cette épreuve, les gens le font trop vite, et du coup, ben, ils font plein de fautes. Là, il y a eu zéro faute, donc c'est parfait. Ok. En attendant, il n'y a pas de faute. Il privilégie ne pas faire de faute plutôt que bah plutôt qu'aller vite en fait. Il préfère ne pas faire de faute et se concentrer. Ok, là il n'y a pas eu de faute, pareil. Ok, attention. Bon là, faut les hits en l'air normalement. Et c'est sur deux. Je sais pas si ça compte. Regardez, regardez. Il n'a pas édité en l'air. Ça c'est faut les dire en sautant en l'air. Et en plus, il a fait en 1 alors que c'est en 2. Et normalement, quand il y a des fautes, les gars, je suis intransigeant. Intransigeant. Je sais pas comment on dit. Parce que sinon, après, ça se fait pas pour les autres. Ok, il a bien cassé. Les 90 qui sont un peu ratés, on dirait. What? Ah, ok. Il fait des 90 en 3-6, genre. Ah, bah, GG. C'était assez stylé. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Et du coup, attention. 6,53. Ok. Le deuxième, il a fait combien? Ah, il n'a pas marqué. Ah, mais là, il avait déjà marqué en plus. Ok, donc 6,53 pour toi. Donc, il est validé. Sauf si lui fait un meilleur temps. Ah, ça a l'air déjà plus rapide. Je pense qu'il va faire un meilleur temps. Donc, il va gagner. Et s'il y a des fautes, ce sera l'autre 6,53 qui aura le record. Mais s'il y a zéro faute, bah, c'est lui qui l'aura. Donc c'est parti pour le deuxième world record. Le premier est presque validé. Enfin, en vrai, non. Puisqu'il y a une épreuve, c'est raté. Ah non, triche. Faut casser l'escalier, là. Ça m'énerve. Parce que là, t'as pas cassé l'escalier, du coup, t'as couru sur... Regardez, il court sur l'escalier pour sauter le saut. Donc ça, c'est pas validé, mec. C'est pas validé du tout. Les gars, faut faire des...
Faut faire des runs validés si vous voulez gagner. Sinon, vous n'allez pas gagner la récompense. Là, je sens que lui, il va se louper. Parce que là, il est rapide. Du coup, ben. Ouais, non, ça va. Il prend du temps à viser, donc ça va. Ouais, il prend du temps pour pas louper la tête. Ok, nice. Du coup, mec, t'as fait une erreur comme l'autre, donc ça sera peut-être pas validé. Je sais pas, on verra. Mais il édite avec quoi? Attends. Avec le pavé taxi, il édite. Ok. Ok. Ça, c'est une épreuve assez compliquée, mais pour les joueurs manettes, j'ai l'impression que c'est assez simple. Ok. Nice. Ah voilà, là il a bien hésité en l'air. C'est ça qu'on aime. Attention, regardez, regardez. Voilà, parfait. Oh là, c'était compliqué. On sent. Ah mais ils font pas les 90 dans le bon sens. Vous avez le droit les gars, mais à la fin il s'est rattrapé, il a fait un tour en plus, donc c'est bien. Et du coup le world record. Oh là 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 là. Il a fait un 8-0-4 les gars. Le record PC, je crois, c'est 8-10. Donc ça veut dire il est très près du world record PC. En tout cas, mec, c'est semi-validé, on va dire. De toute façon, tu pourras clairement faire mieux parce que tu as fait des petites fautes qui t'ont fait perdre du temps. Donc voilà. Bien joué à vous deux, les gars. Et vous pouvez bientôt avoir le record PC. Donc peut-être avoir plus d'argent à gagner ou je sais pas. Donc voilà. Bien joué à vous. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Et pensez au code créateur NSQ dans la boutique. Et puis la map, c'est NSQ Tournament. Donc voilà, ciao les potes!